Assalamu alaikum, l'école fait réussir en bac. Alors, l'yum, charlons quelques exercices. On dit trois exercices, je pense, l'yum. Ou bichon salam. Donc, on a l'exercice où il roule déterminer B pour que l'entier naturel 3, 7, 5, B soit divisible par 5. Donc, on est, t'as juste dans le pause. Salam, après, on a chauffé. Je me trouve dans tout le monde. On va chauffer maintenant la correction. Donc, on est, je me 5. Je vous 5. On va chauffer 2. Je vous 3. Je vous. Le 4. D'accord? Je vous ai 6 par exemple. Ben. Alors, qui est-ce qu'il faut avoir divisible par 5? Donc, ça va être 5. Narfou est 5. Laisse-moi qu'on. L'adat divisible par 5. Laisse-moi l'adat qu'on fait l'autre. Soit il faut 0. Soit il faut 5. Donc, la réponse, on t'a dit, c'est 0 ou elle est 5. D'accord? Donc, on est. Je suis le fini. Table 2 qui fait chance, il faut le diviser par 2, bien sûr, c'est un compte pair. Donc on est on dit 2, 4, on a reçu une mémoire, la date qui fait, ou la kadesh, les unis font 9, 6, ou la 4, ou la 8, ou la 2, ou la 0. D'accord. Donc on est à l'état le 3, on est en train de double rose. Donc 3 chaque fois divisible par 3 ou les hommes qui nous sommes dans le colchain on additionne le 3 7 5 et b on aura un chiffre multiple de 3 donc on a dit 3 7 5 b 3 plus 7 plus 5 plus b donc ce qui nous donne 10 15 15 B, enfin, 1 plus 5, on peut aussi même écrire 1 plus 5 plus B, ce qui nous donne 6 plus B. Donc 6, c'est déjà multiple de 3, donc dans ce cas, on aura B égale à, par exemple, 0, parce que 0 plus, 6 plus 0 est égal à 6, ce qui est multiple de 3, donc B égale à 3. B égale à 6 ou même B égale à 9. D'accord? Donc, voilà. En ce qui concerne maintenant le 4, il faut que les deux derniers chiffres soient multiples de 4. Donc, on est dans notre cas, on a 5B. D'accord? Donc, on est détaillé. Je vous ferai un petit 40. 44, je n'ai pas le 50, hein. 48, on est 52. À chaque fois, on dit 56 et 60. Voilà, donc ces deux chiffres-là. Alors, B doit être soit 2, soit 6. Et là, pour le 6, ça devrait être divisible par 2 et 3 au même temps. Donc, là, on a la possibilité, il y a les possibilités de 3, et là, on a les possibilités de 2. On est 1, 2, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 6. Donc, pour que 3, 7, 5, B soit divisible par 6, il doit avoir contenu. Le B doit être un 6. Exercice Limbardo, Kalane, soit A est égal à 24B. Plus 21 ou B est un entier naturel non nul. Premièrement, quel est le reste de la division euclidienne de A par rapport à 24? D'accord, donc on est ce qui est important, c'est que A égale à 24B plus 21. On la divise par 24. Heureusement que le 24 est divisible par 24. Donc ici, on va pas se concentrer dans ce terme-là. Par contre, dans le 21. Bien sûr, le 21. Voilà, donc on est le reste de la division euclidienne de A par 24. On va prendre le 21. Al-Khatr, Kemshinhat par exemple. B égale à 0. D'accord. Puis Gini A égale à 21. Donc, ça veut dire qu'à 24 à la. 21 à 24, je prends 21 reste. Ok, B égale à 1. Donc, je dis dans ma colonne 45. Donc, 24, je dis 45, voilà, d'accord.
puis ناقص منها 24 تبقى لي 21 وكي نحط ب ايغال ا 2 دونك هذا يجيني 48 بلس voilà plus 21 donc c'est 69 moins 2 fois 24 voilà, moins 24 on dit à moins 24 tu prends là qui kiffe 21 donc on est alors les charges directes on est à la 24 réveillé multiple de 24 tout simplement kiffe kiffe pour n'est-ce pas le calo le cathéni pardon on est donc on est 21 on est à 10 6 kiffe kiffe 6 voilà 24 multiple de 6 donc il faut faire le terme de mich le bi puis le terme de donc on a 21 on a la ناحيه قاش 6 donc on a 3 مرات donc 3 x 6 il y a 18 il y a pas les 3 le reste comme reste et ni 24 on a kif kif 24 multiple de 4 donc on a 21 on a 16 20 donc 21 moins 4 voilà 5 x 4 égale à 1 donc on est égal à 1. بالنسبة ل 3 كيف كيف 24 multiple de 3 donc هذا البي يمشي معاها يمشي donc 21 21 moins 7 fois 3 égale à 0 donc il n'y a pas de reste ou بالنسبة ل 2 هنا 0 ou 2 كيف كيف 24 multiple de 2 donc 21 moins 10 fois 2 ce qui nous donne 20, donc 21 moins 20 est égal à 1. On est égal à 1. On a une fois direct, il y a impair, tant qu'on a un coulo égal à 1. Alors, dernier exercice, soit A est égal à 35B plus 34, où B est un entier naturel dans le nul. Déterminer en fonction de B le quotient de la division euclidienne de A par 35, 5 et 7. Donc on est le quotient de l'Hibra Fradesh, ou qui va dépendre de B. D'accord, donc là où la vidéo est le tout, donc on est A égale à 35B plus 34. Voilà, là on dit 35. Donc on est, par exemple, on est à 1, ou on est à 1. Donc on est à 35. Ben, quand on est à 35, on est à 35, on est à 35. Donc on est à 35, on est à 35, donc on est à 35, on est à ب نمشيو للثاني هنا كي باش نقص هذه على 35 وهذه نقص ونشوف هذه اكبر من 5 نقص مع 5 ها دونك هنا تبقى لي 7 ب وهنا نزيدو تلقى لي 6 خاطر 6 فوا 5 سي 30 دونك 4 ريست دونك هنا الكام تاعي تبقى لي 7 ب بلس 6 بالنسبه الاخراني هو 7 كيف كيف هنا وهنا دونك عندنا 7 sur 35 c'est 5b plus 34 donc on est 8 28 voilà donc 4 pardon 4 donc on est 5b plus 4